Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau let's play de Dragon Quest 11. Aujourd'hui, on se retrouve du coup une fois de plus au Mont Pangai. Mais ce qu'on va faire en fait, c'est que donc j'ai appris que la suite allait être très dure, puisque certaines personnes sont au niveau 80 et plus et n'ont pas réussi à battre le boss de fer. Là, on vient de me conseiller de faire monter mes persos au niveau 99 pour faire les épreuves de la roue du Darmal. Donc finalement, on va faire un petit épisode spécial. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, parce que de toute façon il va falloir que je passe par une phase d'XP, il n'y a pas le choix. On va se téléporter à Cobaltine et en fait on va faire le tour du monde pour récupérer toutes les, tous les trésors qu'il peut y avoir, tout ce qu'on a raté et qu'on ne pouvait pas ouvrir à cause du fait qu'on n'avait pas par exemple la clé suprême. Maintenant on l'a, donc on va le faire pour récupérer des bonnes armes qui pourraient être cachées et je pense que c'est une plutôt bonne idée. Ça nous permettra de revoir certains lieux qu'on avait appréciés. Et ça me permet quand même de vous sortir un épisode. Parce que le problème là, c'est qu'il va me falloir du temps pour XP. Et je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas assez de temps pour XP et directement sortir un épisode demain. Donc pour l'instant, ça va être au jour le jour. Je ne vous garantis rien. J'espère que ça se passera bien. Auquel cas, ben, on fera avec, hein. Bon, là déjà il n'y a pas de porte, ça sert à rien d'aller voir. On va aller direct à Héliodor. Héliodor, je pense qu'il doit bien y avoir quelque part dans le château. Ou... Enfin, il doit bien y avoir un endroit où on aura besoin de la clé suprême. On va bien voir. Surtout, par contre, si vous connaissez un endroit où XP vraiment bien, de manière rapide, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que. Je sais pas comment je vais faire là, prendre 40 niveaux ça va être très difficile. On va aller voir directement au château, je pense que ça doit être l'endroit principal. Bon là déjà il n'y a rien. On va aller voir à l'étage. Non, il n'y a rien non plus. Là, on n'a rien non plus. C'est marrant parce que peu importe l'endroit où je me déplace, il y a forcément une étoile, donc en fait c'est moi l'étoile, je m'étais trompé. Là où on doit aller chaque fois c'est là où il y a le petit point d'exclamation. Bon, on va se rendre à Yoto. D'ailleurs je sais qu'à Yoto il y a en revanche une porte à ouvrir. Thank you.
Alors c'est pas dans la ville normalement cette porte. Ouais. Elle est directement à l'extérieur de la ville. Elle était du côté de du labyrinthe. Mais comme on peut pas s'y téléporter, on est obligé d'y aller à cheval. Sauf s'il n'y a pas de... Ouais non, en fait il n'y a pas de cloche, donc on est obligé d'y aller à pied. C'est pas grave. Parfait, ça tombe à pic. What the fuck? Mais c'est quoi ce truc? Ah mais j'y suis là. Ah mais oui, c'est vrai. Cool, ça c'est fait. Ah mais j'ai déjà ouvert celui-là, c'était une porte magique, fais chier. Je suis venu pour rien. On va aller voir Gallopolis. C'est dur de se souvenir aussi qu'il y avait des portes comme ça. Style porte de prison. Alors là, je vois une porte magique par là-bas. Visiblement, je l'ai jamais ouverte. Ah bien, trois coffres. Donc recette. 2000 pièces d'or et... graines de compétences, ok. Ah yes, une mini-médaille. On va aller voir des fois dans le château, on sait jamais. Bon, honnêtement, je crois pas que dans ce château, il y a encore quelque chose de très intéressant, mais bon. Ouais, il y a rien. On va se téléporter du coup après Gallopolis. On a
Je sais pas si c'est nécessaire, on va vérifier sur la mapmonde quand même qu'il n'y ait pas quelque chose. Ici c'est bon, il n'y a rien. On va continuer direction Gondolia. Et justement, c'est là où c'est plutôt important, c'est que... Enfin remarquez, c'est pas directement à Gondolia que je dois aller. Mais à côté du banc des sirènes, il y avait une île où justement il y avait une porte à ouvrir, donc on ira directement après. Pourquoi il y a cette musique? Je comprends pas trop ce que c'est la musique de combat qui se retrouve dans la ville. Ah mince! Ils sont en train de se faire attaquer. Mon dieu, on voit que c'est plus le même niveau les monstres. Bon là non plus y'a rien. Ah, est-ce que ce serait pas à Swordrust qui aurait quelque chose un endroit de ce genre? Ah mais non, je l'avais ouvert, c'était là où il y avait la clé ce, ah comment ça s'appelle? Là où il y avait l'orbe. Ok, donc là il n'y a rien.
Donc voilà, là c'est la porte magique. Il y en a un deuxième là-bas. Et il est toujours fermé celui-là, c'est un truc de fou. Je me demande ce qu'il y a derrière quand même. On va aller du côté de Fordrazil. Ah, il y en a un là-bas, on va aller voir. Ok, donc c'est par là-bas. Alors je sais pas si je l'ai ouverte ou pas déjà. Eh ouais, ah mais c'est un truc de fou. Bon, Puerto Valor. Ok, donc je pensais pas à ça en venant, mais apparemment il y a un petit morceau de scénario par ici.
Donc au final, encore une nouvelle épreuve à faire, que je ne vais évidemment pas faire tout de suite parce que je me doute que j'ai pas le level. Aïe 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 aïe. Oh, du coup, elle est toujours là. Alors attendez, c'est celle-là, Lila, on est d'accord. Ouais. Mon Dieu, c'est un truc de fou ce jeu. Nickel, je suis arrivé à Lille. Donc on va pouvoir. Là, je suis quasiment sûr à 99% que l'endroit qu'il y a, je ne l'ai pas encore ouvert. Il est là-haut, vous voyez. D'ailleurs, je me rappelle qu'à cet endroit, il y avait un truc chelou. Il y avait comme une gravure sur le sol. Et je sais toujours pas ce que c'est. Ah oui, d'accord, même eux, ils sont devenus maléfiques. Donc vous voyez là, il y a un dessin sur le sol en fait. Mais je sais pas ce que c'est. Bon, on va monter en haut. Nickel, et qu'est-ce qu'on a dedans? Un livre de recettes. Ok. Et maintenant, on peut aller à. Mais tiens, on va aller à l'Académie du Maître des mini-médailles, rendre les mini-médailles. Et déjà, est-ce qu'il y a une porte ici? Je pense pas, mais bon, on verra à l'intérieur. Ok, alors est-ce qu'il y en a une? Oui, il y en a une effectivement dans le fond là-bas. Je sais pas si j'y ai déjà été ou pas, je pense pas, sinon elle serait pas marquée sur la carte. Puisque voilà, là elle s'est sûrement enlevée, je sais pas.
Ouais, donc là on a un coffre au trésor. Avec une boule de foutre. Là-bas il y a des jarres et il y a un autre coffre. Yes, une autre mini-médaille, ça tombe bien. Ok. Parfait, maintenant on peut aller là-bas. Attendez. Vous avez vu ce qu'il y a là? Ah d'accord. C'est un truc pour revoir les souvenirs. Je pensais que c'était pour la quête principale, mais non. C'est dommage. Bon, on va rendre les mini-médailles. Ah bon, en fait, j'en ai pas des masses. Mais bon, je vais quand même gagner un objet qui est la lame du faucon, c'est ça? Ok. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je sais que c'est, y a pas vraiment eu d'histoire, hein, c'était vraiment de l'exploration. En revanche, voilà, je me dis que ça peut en rendre service à certaines personnes qui chercheraient par exemple les clés. En attendant de faire XP, c'est pas plus mal. Ce que je vous propose demain, si jamais j'ai pas eu le temps de faire suffisamment XP pour continuer l'aventure, je vous ferai un épisode spécial par exemple, soit avec les quêtes annexes. Soit avec par exemple un épisode spécial casino que j'avais dit que j'en ferais un. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du temps que j'ai parce que je vous le rappelle, j'ai quand même un boulot à côté. Et je tourne aussi plusieurs vidéos par jour d'autres jeux également. Donc je peux pas passer genre 10 heures pendant la journée sur Dragon Quest uniquement pour faire XP. Donc je vais essayer de faire au mieux, mais je ne vous garantis rien. Auquel cas, il n'y aura peut-être plus un épisode tous les jours jusqu'à que j'ai le niveau nécessaire pour pouvoir continuer l'aventure. J'espère que vous m'en porterez pas trop rigueur. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner pour manquer aucune vidéo.